Et voilà le travail. Par là. Vas-y, je te suis. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. On a fait un bond dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offre une bonne pomme enrobée de miel. Super, maintenant j'en ai envie. J'espère que vous êtes sains et saufs. Ok, le dôme, c'est fait. Passons au tribunal. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer.
Je vais marquer l'endroit. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Qu'est-ce que tu caches ? Hé, qu'est-ce que c'est ? A priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait aller y jeter un œil. Pas mal le dessin. C'est sûrement le magasin de musique. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Il y en a des disques ici. The Sick Habit. The Sick Habit. C'est pareil. C'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'écoutais juste parce que je te trouvais jolie. Père ? Qu'est-ce que tu joues ? Rien. C'est peut-être rien, mais c'est très joli. Tu te rappelles cette nuit près du feu ? Ouais. Thank you.
want to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. To say I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take T'aurais dû m'embrasser. J'en avais envie. Moi aussi. Allez, on se remet en route. Ouais. Allez. Pas qu'on va jouer de la batterie. Ah, il n'y a rien à prendre. Yo, écoute ça. Pas les couilles. Allez, salut! Je pense qu'on trouvera rien d'autre par ici. Alors, attends. Ok. Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêtes à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. Où est-ce que tu vas? Il y a un truc au fond. Alors. Use gate code. Alors. Code. OS2 0421. C'est ça? OS2 0441. Oh là. J'ai dit quoi? 0451. Ok.
Allez, avec la trinité. Zéro. 4. 51. Bim! Oh putain! Dans les dents! Qu'est-ce qu'on a de beau? Une carte? On a récupéré pas mal de trucs. Yes! Carte à collectionner l'eau. Allez, continue la visite à pied, j'aime bien. Et ici c'est fait. Hey, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah. Tu vois comique, ma petite. Au niveau belge, bah, pas top top, pas dans le tribunal. Bon, ça va être fermé. Ça valait le coup d'essayer. Continuons à chercher. T'as entendu? J'ai entendu. Désinfecté. Ça vient du tribunal. Ça s'annonce mal, non? Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Thank you.
Et de deux. J'ai pas fait écouter le moteur, moi, tout à l'heure. Est-ce que j'aimerais pas mettre mes mains dedans? Ça a l'air. Bravo. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Hey, le fisson. Comment tu vas? Ça devait être marrant. On s'asseyait. Allez, on fait le tour parce que je n'ai pas eu le temps. Tranquille, tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, c'est où on est arrivé. Mais parce que j'ai pas utilisé une balle pour l'instant à l'intérieur, mais je sens que ça va faire caca là-bas. Pas pourquoi. Ok.
Comment ça, tu cherches un peu de travail? Explique à Tommy. Hey, tu m'aides? J'arrive. On va faire un gros boucan, ils vont tous arriver. Moi, je suis en vacances. Hello, ça va. C'est bien parce qu'on est enfermé maintenant. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Qu'est-ce que tu cherches alors, le fiston? Tu cherches un peu de travail, c'est-à-dire... besoin d'un boulot pour te payer le permis. Tu peux regarder, il y a des applications pour soit garder des chiens, soit les promener, des conneries comme ça. Chien ou chat, ou ce genre de choses. Il s'est passé des trucs moches ici. Parking. On y trouvera de l'essence. Ouais. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Hé hey. Saleté, va. Ah, y a une petite note. C'était mérité, je suppose. Ouais. C'est vrai que l'été, il recherche pas mal, ce genre de choses. Bon, tu vas faire... tu vas faire caissier. Ou mise en rayon. Pas mal. Pour débuter. T'as quel âge déjà? Avant, wow, tu peux presque tout faire. Ah, il y a de l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, il faut pas tomber. Évidemment. Non, tire pas. Mais qu'elle est con, mais qu'elle est con. Faut pas tirer, ma fille. Et comment qu'on fait maintenant? Eh oui, mais t'as tiré. Maintenant, faut assumer. T'expliquer, il est bien, mais il y a énormément de cinématiques. Oh, bordel. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On n'a plus qu'à trouver l'essence. On va pas grimper par là. Après, c'est vraiment à la suite du deuxième et tu vas voir que... Tu as joué au premier? Tu vas être Alors, un peu déçu de ce qui se passe. Et on vide. Oh non. Nous porte pas la poisse. Tiens, ça rentre dans le sac à dos, le truc. Direction le portail, fuck Fedra. Ah, vite fait. C'est vraiment c'est la suite du premier. Et tu verras que...
C'est pas mal. Oh, pour le sens, c'est pas mal. C'est, ça reste dans la lignée, mais bon. Il y a des moments où t'as plus envie d'y jouer, puisque il y a des choses qui se passent. Dina, j'arrive. Allez. Oh. Et là, clac. Ok, on lâche. Bien joué, Dina. Merci. Alors maintenant, il faut retourner bon, le portail à l'accueil. On ne sait pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. Ouais, on est d'accord. Yeah. Ah, pas de soucis. Hein. Merci d'être passé en tout cas, mec. Alors. Tu reconnais quelqu'un? Non. Ils sont trop vieux. Ceux de Jackson étaient encore des gosses à l'époque. Oh. Ah, c'est The Technique. Joël adorait le café, non? Tu plaisantes? Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Ça a un goût horrible, un goût de brûlé. Merci. Bon goût, mon cul, ouais. Elle m'a fait peur, cette pute! Oh la salope! Oh my fucking god, je m'attendais pas. Je sais pas, mais j'aime pas ces trucs. Ah, je crois que. C'est le problème. Oh! Ça ouvre quoi? Partout. Il y a marqué Barcos dessus. Elle ouvre quoi, à ton avis? Je sais pas. Une niche. On pourrait aller y jeter un œil. Pour ouvrir l'œil, faudra qu'on y jette un coup d'œil. Cool. Je crois qu'on est déjà passé par là. Non, c'est vrai? Paul, c'est d'où on vient. On va suivre, apparemment, il y a des trucs à faire à droite.
Barco, ça me dit quelque chose. On dirait que ça appartenait au WLF. C'est quoi ça ? De la propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston. Au Nouveau-Mexique, c'était les Corbeaux. Ils s'étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. Et c'était qui exactement ? Des ex-fédras qui voulaient plus se plier à toutes leurs règles. Ils menaient des raquettes de protection et étaient polygames. Des grands hommes. Tu m'étonnes. Ouais. C'est quoi ? C'est des plans pour attaquer un convoi de la Fédra. Cet endroit est à l'abandon. Ouais. Ça fait des années que personne n'est venu ici. Et si on allait voir ? Yeah. Kuni et Ghost auraient adoré ce truc. Ça ? Des chats que j'avais adoptés avant d'arriver à Jackson. Mais ils n'avaient pas vraiment envie de nous suivre, donc... Il me manque, ces petits griffouillards. T'as eu des animaux de compagnie ? Non, c'est pas trop mon truc. Eh ben, peut-être que quand tout ça sera fini, on va en avoir. D'accord. Un convoi à droite devant. Il s'est passé de quoi ici ? On dirait une embuscade. T'as vu les impacts de balles sur le côté du camion ? Sûrement nos potes du WLF. Oh. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement ? Il se cachait peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Oh, wow. En avant, Payette. Hey, tout va bien ? T'as le mal du pays ? Juste un peu. Et toi ? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque.
Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever... Ohé! Ça le fait, t'inquiète pas. C'est dans ma nature de m'inquiéter. Oh, la vache. Regarde-moi ça. C'est une antiquité. Yeah, cool. Bien joué. Ellie ? Quoi ? T'es sûre de ton coup, là ? Je crois. Ce bâtiment n'existe plus. On va aller voir l'autre là-bas. Ah ouais, c'est la banque qui avait marqué que fallait la visiter. Allez, on va visiter la banque. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu veux. Comment je veux. J'aime le risque. Mais c'est pas un peu trop dangereux, ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Je le sens pas. Trop tard. Il porte des gilets pare-balles. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Thank you.
Ok. On les a tous eus. Sérieux. Bon, on a trouvé la banque. C'est quoi ces gilets pare-balles? On dirait pas des soldats. Ouais. Je sais pas. Je crois que ces types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. Oh merde! C'est comme dans ce film. Lequel? Oh, celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Oh oui! J'adore ce film. Allez, c'est parti.
pas tout fouillé. Hop. Allez, le code, on avait dit. Soixante-vingt-trois zéro six. On va essayer ça. Alors, 60. Vingt-trois zéro six. Et voilà. Clac. Oh oui, ça pompe sévère. Merci. Oh, t'as vu tous ces billets? Le sac en est rempli. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde, ouf, on serait riche. D'où il sort? J'ai vu un coureur. Je crois qu'on a fait le tour. Je suis d'accord. Hey, si tu vivais dans l'ancien monde, t'achèterais quoi avec tout cet argent? Tu peux déjà en acheter une, non? Ouais. Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Oui, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Eh, hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Oh.
en avait des trucs ici. Bon, on a trouvé un fusil à pompe, alors ça valait le coup. Parfait, retournons au portail Quatre-Draps maintenant. Eh bah, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Hé, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. C'est parti. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Le code ? Ces vieux générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Alors. Gate West 2. Allez. Gate. 53-40. Ça a marché. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors ils se sont planqués. Yeah. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. Ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde. Bah non, il est déjà mort. Ah, abruti! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Oh, il y a du monde là-bas. Alors, on va envoyer déjà. Da
Elle est pas morte. Tu vas mourir à la fin. Ok, ça c'est fait. De chien d'or. Probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Faut qu'on avance. Hé, j'ai trouvé de l'essence. Bon. On a besoin de rab, on sait où en trouver. On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. C'est quoi ce bordel? C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici.
Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais. Allez, on peut sortir par là. Et peut-être rejoindre Tommy. Ouais. La hache, c'est mieux. La hache aussi. Ah, d'accord, on a fini ici. Tu m'avais dit que Tommy en avait bavé par le passé, mais... Je sais. Est-ce que ça va? C'est pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Mmh. Ça va, merci. Il faut que tu... Chopez l'autre! La paire des bras! Allez! Dina! Oh là, fumée! Et tac le doigt! C'était obligé! Obligé! Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il
Y en a combien avec vous? Hmm? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, mais Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, go, go, go. Attends, attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. On sait pas combien ils sont. On les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas. Dina! Télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez! Putain, Ellie! Fais le tour! Hop là. Mettez mon cheval. Il y a encore du monde. Ouais.
Saleté, va. Ça va? Ouais. Il y en a que tu reconnais? Non. Elle... J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. Hein ? Il se passe un truc. Viens, on va voir. Je te couvre. Là, ça venait de ce côté. Intruse en fuite ! Qu'est-ce qui se passe, Ellie ? Il y en a d'autres! C'est la truie! Faut pas qu'elle s'échappe! Déployez-vous, fouillez la zone. Jette un œil ici. On les emmerde, les wolves. On prend tout. Qu'est-ce qu'on a ? Non, là-bas. Hey, baisse-toi. Hey. Elle est où, la batterie d'Adrienne ? Merde ! Hé, hey, vous deux ! L'intrus.
nous a filé. Quoi? T'as vu un truc? Non. Faut surveiller le toit. Je vais vérifier par ici. Elle est pas dans la rue, c'est sûr? Quelqu'un a regardé? Comment elle aurait pu descendre? Aucune idée. Quelqu'un a signalé le problème? Greg est parti à Capitol Hill. Il va ramener des renforts d'une minute à l'autre. Ici. Tout va bien? Allez, réponds-moi. Tu crois qu'il y en aura d'autres? J'espère que non. T'en penses quoi? Allez, j'en pense que j'enregistre. Hop. Merde. Pas sauvegarder. Allez. Pas mal du tout. 4 heures de jeu. Allez, on revient dans une demi-heure. Une heure. À toute.